êtes prisonnier, tu parles. Toi-même, tu as chanté contre la rébellion. On t'applaudit. Oh. Et maintenant, tu veux qu'on laisse ceux qui ont la télécommande. Le président ne fera jamais ça. Oh. Ah, Abby, et les 800 prisonniers dont Simon Gbagbo qui l'a libéré. Pourquoi tu parles pas d'eux? Hein? On dit quoi? On y est, on dit quoi? On dit quoi? Chilo, on dit quoi? Tu dis dans ce pays, si c'est pas Bakayoko, c'est Koulibaly qui occupe tous les postes. Donc en plan décalant, c'est Bakayoko. Donc en Mouloto là, elle est Koulibaly. Donc j'étais Bagnon là, il est Bakayoko. En sous-groupe, bien qu'être mais la vérité, elle n'est que le mensonge. Sinon, quand tu ne sais pas, investi, je vais te dire. On prend crédit pour travailler. Et non pour aller à la rue Princesse, pour gérer les corps, acheter les hommes, pour tuer les Ivoiriens. On dit quoi? Vous demandez l'argent, travaille pour qui? L'argent travaille à part de vous. Il prend à Wakayo. Le peuple à Galébré. Yodé, tout ça tu vois pas. Ou bien t'es saoulé. Du nord au sud, tout le pays est en chantier. 30 621 salles de classe au primaire. 242 lycées et collèges. Université construite et réhabilitée. Merci pour tout, président. On dit quoi? Si c'est pas sorcellerie, le dé, dis-moi ce que tu fais. Même dans ton village, Bayoku Bassi, Rézi a construit une école et un dispensaire. Ton ami Asalfo a offert une école. C'est ça qui est la vérité. On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? Siro, on dit quoi? Toi-même, Yodé, j'étais en exil. Grâce à la réconciliation, tu es rentré. Jusqu'à tu chantes pour insulter le président. Et puis y'a rien, oh. Ayodé, on dit quoi? Plus personne ne se verra de produits en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a plus d'escadron de la mort. Votre affaire de peuple qui parlait pas, on a tout compris. On dit quoi? Vous voulez soulever. Si c'est à vous qu'on a donné la télécommande, il faut nous dire. On dit quoi? Au paradis, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ce que tu as dénoncé hier en chantant, faut pas l'encourager aujourd'hui. Parce que Pampa n'est pas bon. Les armes politiques, c'est pas bon. Yodé, c'est pas bon. Fusil en politique, c'est pas bon. Siro, merci président pour la sécurité des Ivoiriens. On dit quoi? Oh, Yodé, on dit quoi? On dit quoi? Yodé et Siro, 1, 2, 3, on a faim.
mais vous grossissez seulement. Ah, Africain, ton ventre va te tuer un jour. Vraiment, c'est pas la peine. Paye Côte d'Ivoire. Paye Côte d'Ivoire. Paye Côte d'Ivoire. Paye, tu restes là. Reste ici. Vous l'avez vu. Paye Côte d'Ivoire. Paye Côte d'Ivoire. La régie, on va reprendre Paye Côte d'Ivoire. La régie, on reprend Paye Côte d'Ivoire. Paye, faut parler. Notre vrai héritage, ils vont comprendre. Régis, c'est parti. En Soukou, ça reçut toujours. Mes mains ne te traînent. On dit quoi? Siro, on dit quoi? Le pays était joli, oh. Y'a goutron partout. Y'a lumière partout. Y'a même lumière à Ouattigbo. Quoi, quoi, fleu. Merci, président, pour ta rigueur. Quand tu travailles pour nous et la génération future. On dit quoi? En Yodé, on dit quoi? On dit quoi? Siro, on dit quoi? Yodé, de ta prisonnier tu parles. Toi-même t'as chanté contre la rébellion. On t'applaudit, oh. Et maintenant tu veux qu'on laisse ceux qui ont la télécommande. Le président ne fera jamais ça, oh. Ah, Abdi, et les 800 prisonniers dont Simone Gbagbo qui l'a libéré. Pourquoi tu parles pas d'eux, hein? On dit quoi? En Yodé, on dit quoi? On dit quoi? Siro, on dit quoi? Tu dis dans ce pays, si c'est pas Bakayoko, c'est Koulibaly qui occupe tous les postes. Donc en blanc des galas, c'est Bakayoko. Donc à nous le dos là, elle est Koulibaly. Donc Dédé Bagnola, il est Bakayoko. En sous-groupe, bien que grave, mais la vérité est mieux que le mensonge. Sinon, comme tu ne sais pas, Big Festi, je vais te dire que dans ce monde, tous les pays sont endettés. On prend crédit pour travailler. Et donc, pour aller à la rue Princesse, vous gérez les mots, achetez les hommes, vous tuez les Ivoiriens. On dit quoi? Vous demandez l'argent, travaille pour qui? L'argent travaille, papa Pekou. Vous prend à Wakayo, l'autre top à Galébré. Yodé, tout ça tu vois pas? Ou bien t'es saoulé, du nord au sud, tout le pays est un chantier. 30 621 salles de classe au primaire, 242 lycées et collèges, universités construites et réhabilitées. Merci pour tout, président. On dit quoi? Si c'est pas sorcellerie, Yodé, dis-moi ce que tu fais, oh. Même dans ton village, Bayekou Bassi, Brésil a construit une école et un dispensaire. Ton ami Assalfo a offert une école. C'est ça qui est la vérité. On dit quoi? En Yodé, on dit quoi? On dit quoi? Siro, on dit quoi? Toi-même, Yodé, j'étais en exil. Grâce à la réconciliation, tu es rentré. Jusqu'à tu chantes pour insulter le président.
Et puis y'a rien au Orioté Antigua. Plus personne ne se fera de produits en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a plus d'escadrons de la mort. Votre affaire de peuple, qui parlait pas, on a tout compris. Antigua. Vous voulez soulever. Si c'est à vous qu'on a donné la télécommande, il faut nous dire. On dit quoi? Au paradis, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Je t'ai déjà dénoncé hier en chantant, faut pas l'encourager aujourd'hui. Parce que Pampa n'est pas bon. Les armes politiques, c'est pas bon. Yéyé, c'est pas bon. Fusil en politique, c'est pas bon. Siro. Merci président pour la sécurité des Ivoiriens. On dit quoi? On y est, on dit quoi? On dit quoi? Yodé et Siro, 1, 2, 3 on a faim, mais vous grossissez seulement. Ah, Africain, ton ventre va te tuer un jour là. Vraiment. Et il s'appelle Bailly Côte d'Ivoire. Merci Bailly. Merci Bailly, merci. Merci Bailly. Merci. Ça va les gars? Ça va les gars? On va voir encore le dispositif. On va voir le dispositif. La régie, Magic System. La régie, Magic System. La régie, Magic System. La régie, Magic System. Pawali, Pawali, Wali Kabalanda, Pawali, Wali Kabali Yirukuna, Pawali. Avec les artistes, c'est lui qui va venir maintenant. Celui qui va venir maintenant, c'est mon fils. Mon fils. On va recevoir Clé Salé. Clé Salé. Clé Salé. Régie, musique, c'est parti. Clé Salé. Écoute ça. Clé Salé. Yeah.
La première information, moi c'est parce que je suis encore au micro, sinon j'ai mon cache-nez qui est là. Veuillez porter vos cache-nez s'il vous plaît. Portez, moi je suis au micro, si je mets on n'entend pas. Portez vos cache-nez, et puis je suis seul, il n'y a personne à côté de moi. S'il vous plaît, portez vos cache-nez. Respectons le port du cache-nez. C'est important pour notre santé à nous et pour ceux qui sont à côté de nous. Portez vos cache-nez. Ceux qui n'en ont pas demandé à vos responsables. Portez vos cache-nez, s'il vous plaît, jeunes. Respectons les mesures qui ont été dictées par nos leaders. Deuxième information. Il n'y a plus de place à l'intérieur du stade. Ceux qui sont à l'extérieur, allez du côté de la Sorbonne, allez du côté de la cathédrale, prenez place. Parce que tout à l'heure, on aura l'arrivée ici de celui qu'on appelle le Baobab de la Côte d'Ivoire. On aura l'arrivée ici de celui que nous appelons Ado. On aura l'arrivée ici du président du RHDP, le président Alassane Ouattara. On aura l'arrivée ici de celui, quand il dit, il le fait. Chers amis, on va recevoir un jeune. Lui, il est dans toutes les activités du RHDP. Il est venu, on lui laisse la lucarne. On va recevoir Kizo Lamour, qui parle de réconciliation. Kizo, régie, sort. Régie, son, Kizo. De la
Montez la virgule, montez le son. Montez le son. Kobilasi, la rangée de la nouvelle génération. L'heure de la paix a sonné, on y va. Andienama, 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 maintenant les gars, les gars, dans 20 minutes le président est là, dans 20 minutes le président est là, on va recevoir maintenant Lago Paulin, 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 Lago Paulin. Alassane Ouattara le Kanami. Alassane Ouattara le Kanami. Bodi boile Kouma Chiama la Teolo. Alassane Ouattara le Kanami. Alassane Ouattara le Kanami. Alassane Ouattara le Kanami. Bodi boile Pati Chiama la Teolo. Alassane Ouattara le Kanami. 90 sur le plat, Alassane est venu pour redresser notre économie. Élu président en 2010 pour nous mettre sur la route de l'émergence.
pour le bien-être de sa population. Il a fait construire beaucoup de ponts, l'électrification des villages, les universités, même on n'en parle pas. Le but du major des voiries, si on veut tout citer, on ne quittera jamais ici. Aujourd'hui, il est rentré dans l'histoire. Allô. Je voudrais vous annoncer l'arrivée ici du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Ahmed Bakayoko. Je travaille avec une équipe dynamique, une équipe soudée, une nouvelle génération, avec un chef compétent. Malheureusement, l'illustre a disparu. Découragement n'est pas ivoirien. Le RHDP s'est réuni. Merci. Merci la régie. Ils ont trouvé une vraie solution. Merci la régie. Je veux le morceau hommage à AGC. Le manager de Lago. Le morceau à... Vas-y. Hommage à AGC. Allons-y, hommage à AGC. Vas-y. Hello, hello, hello. Oye, ça qui n'a pas oublié de toute lumière. Vive la vie, la vie, la vie, la vie. La canani, la nana, 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 la nana. Tu veux comme tu veux. Yeah, Amango, les militants sont insoutenables. Tu vas. HSC, la douleur est profonde. Tu vas. Yeah, Amango. Les militants sont inconsolables. Attends, HSC, la douleur est profonde. La Côte d'Ivoire est plongée dans le noir de l'humilité. C'est de son illustre et son illustre citoyen. Né à la veille de l'indépendance de notre pays en 1959 avec un cursus d'université hors du commun. Sa vie professionnelle est caractérisée par la rigueur au travail. C'est dans cette période qu'il croise son père spirituel, le président Alassane Ouattara, avec qui il fit chemin politique. À tous les militants, ayez le courage. Voyez. Et à Mango, les militants sont inconsolables. HSC, la douleur est profonde. Et à Mango, les militants sont inconsolables. HSC. La douleur est profonde. Ils ont peur de nous. Bosseur infatigable, grand commis de l'État, le compagnon fidèle, un homme loyal. Adoyer. Il a donné un digne visage
à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens te pleurent, le monde entier te pleure. On célèbre! On célèbre! Dégage le son! Papa Yeba, ça va te faire. Papa Yeba, ça va te faire. Papa Yeba, ça va te faire. Ça va te faire. Ça va te faire. Papa Yeba, ça va te faire. Papa Yeba, ça va te faire. Merci la régie. On va partir maintenant avec Afou Keïta. On va aller avec Afou Keïta. Champion d'Ado. Papa Ado, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous les Ivoiriens. Ado, président, il joue la mauvaise marola. Alors les namas, il y a il joue la mauvaise marola. Papa Bété, l'homme de paix, merci pour tes bons conseils. Changer, quand
Côte d'Ivoire nous va dégager depuis Adonana. Côte d'Ivoire nous va changer, Côte d'Ivoire nous va rapport à vous. Agnès Okelema. Afoukaïta, merci, merci Afou, merci, merci beaucoup, merci. On a été mélangé dans le programme, mais c'est pas grave. Afou, merci, merci. Jeune Jean, merci beaucoup. Merci. Merci. Nous allons maintenant regarder les écrans. Regarder les écrans pour un film sur notre Lyon, AGC. Régie vidéo, hommage AGC. Régie vidéo, rapidement. Régie vidéo. Cela fait 2 mois, depuis le 2 mai dernier, que je suis allé à Paris pour un contrôle médical. Ce contrôle a dû être approfondi avec un besoin de repos. Et après ce contrôle et ce repos, me voilà de retour en forme. Merci à toi. Fils du Poro, petit-fils du patriarche Péléphoro Gankoulibaly, fils de l'honorable Gankoulibaly. Tic. Nous avons un bilan positif, un bilan très positif, celui du président Alassane Ouattara. Dire, monsieur le président, il parle. Mais monsieur le président, ils peuvent parler. Comme promis, nous avons augmenté les salaires dans le secteur public et le SMIC pour le bonheur de nos braves travailleurs de la fonction publique et du privé. Comme promis, notre pays est doté d'infrastructures à la dimension de sa grandeur. Et de nombreuses localités du pays sont tour à tour désenclavées. Comme promis, l'eau et l'électricité ne sont plus l'exclusivité des grandes villes du pays. Les villages les plus décidés. Homme de valeur. Loyauté. Humilité. Disponibilité. Homme de foi.
travailleur infatigable. Attaché à ta culture. Pour votre soutien, il m'a jamais fait défaut et qui a été particulièrement important au cours de ces deux donc derniers mois. Monsieur le Président, je vous aime. Ce mercredi 8 juillet 2020, Dion a décidé autrement en te rappelant à lui. Merci pour tout. À jamais dans nos cœurs. Merci. Bien. Est-ce que ça va? Bien. On va poursuivre maintenant avec une voix. Une voix. Un homme. Un idéal. Un amour. Il aime le RHDP, il aime le président Alassane Ouattara. Recevez maintenant, Fatal Day. Régis, c'est parti.
il est Mogamina. Il est Bena, à nouveau son Chogoti. Mogamika, Paralde! Paralo! Paralde! Merci Fadal. 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 Merci. L'État ne joue plus en notre faveur. Merci Fadal. On devait terminer l'animation à 10h30. On nous dit qu'il faut terminer à 10h parce que le président va venir maintenant. Donc, on ne peut pas faire autrement. Mais on a le temps de prendre celui-là qui a un concept. Il dit que le pays là est tout. Dans ce pays là, si tu travailles pas, tu manges pas. Et ça, c'est une réalité universelle. Celui qui travaille pas, il mange pas. Ou bien, recevez Piem Degallier. Piem Degallier, régie, envoyez-moi la musique. Pays là est tout. C'est la sagesse. Merci. Amadou Gong Koulibaly, à jamais dans nos cœurs. Avant, il disait où fait voler. Avant, il disait où fait voler. Aujourd'hui là, il dit à nos voler. Aujourd'hui là, il dit à nos voler. C'est là, c'est comment. Et les dirais, ma wata. C'est comment. Tant qu'on ne mange pas, on n'est jamais satisfait. C'est comment. C'est là, c'est comment. C'est comment. On parle beaucoup, on n'est jamais satisfait, c'est comment. Sauter clôturer mieux que de se faire assassiner. Reposer en paix, Camara H, Gay Robert, Colonel Dosso, Capitaine Fabien. On ne vous oubliera jamais. A dit on tient comment, Ahmed Bakayoko, toi tiens comment, le Golden Boy. On va arrêter, tu dis qu'il vaut rien, toi tiens comment, même. La commune est sale, monsieur le maire fait son boulot. Si c'est pas Congo, toi dis tout qui ne travaille pas parce qu'il n'est pas du même camp politique que toi. Tu dis ça là, qu'à ton pays, toi tu roules sans pièce. Et quand on prend ton permis, tu es le premier à vendre 2000. Avant, il disait, vous pouvez voler. Avant, Momo Bamba, vous pouvez voler. Yol sans sang. C'est là, c'est comment. Massé retouré. C'est comment. Tant qu'on ne mange pas, on n'est jamais satisfait. C'est comment. C'est là, c'est comment. Le ministre Amadou Koné. On parle beaucoup, on n'est jamais satisfait. C'est comment. Répéteux, annulation des dettes accumulées pendant des années antérieures. Aïe, dont les autres présidents n'ont pas pu construire de ponts, d'hôpitaux, des goudrons et d'écoles quoi. Ils ont pris l'argent du pays. Et puis, veut nous faire la morale. Le gars a croisé sa chérie. Hussein Barreau. Il se sent aimé. 3 mois après, il décide de s'unir. Toi, tu dis ses amours. Et il a fait Rio. Mais c'est tout. Fisco, l'argent pays, il a gangé. Mais c'est tout. Merci. Et il a fait comment. Merci la régie. C'est tout. Dans 5 minutes, on va recevoir ici l'entrée du Baobab de la Côte d'Ivoire. L'entrée de notre président bien-aimé. L'entrée du président du RHDP, l'entrée du président de la République de Côte d'Ivoire, l'entrée de celui-là même qui incarne les vertus de l'oufotisme, l'entrée du bâtisseur, du rassembleur, du conciliateur, l'entrée de celui qui a façonné la Côte d'Ivoire. Bonjour et merci de suivre en direct à RTV depuis le stade Félix Houphouët-Boigny. En effet, le rassemblement des oufotistes pour la démocratie et l'appel du RHDP tient ici même l'investiture de son candidat désigné à la présidentielle, le président Alassane Ouattara. En effet, suite à la mort subite du candidat du parti, le candidat désigné Amadou Gon Koulibaly, le 6 août dernier, le président Alassane Ouattara, président du RHDP, a accepté l'insistante demande du parti de se présenter à l'élection présidentielle du 31 en octobre prochain. Et toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont représentées à cette grande convention d'investiture. Environ 100 000 personnes sont attendues, dont 45 000 dans le stade et 55 000 aux alentours du stade Félix Houphouët-Boigny. Cette mobilisation permettra au parti présidentiel de démontrer à la face du monde entier que le RHDP reste le plus grand parti, le parti le plus majoritaire en Côte d'Ivoire. Pour rappel, le 26 janvier 2019, dans ce même stade, le RHDP tenait son premier congrès. Alors, le début de la convention est prévu pour 10 heures, mais déjà
Le stade est en train de se remplir. Les militants sont mobilisés pour rendre honneur au président du parti, candidat désigné à la présidentielle, Alassane Ouattara. La fin de cette investiture marquera le début de la pré-campagne du candidat du RHDP. Vous voyez, le directeur exécutif du RHDP est déjà présent, en train de mobiliser les troupes. Place maintenant à la cérémonie en direct. À l'appel de leur parti. Nous sommes avec l'un des cadres de ce parti, M. Sissoko Abdraman. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, sous quel signe placez-vous cette grande convention d'investiture du candidat de votre parti? Nous remercions le Seigneur, Dieu, nous remercions le président de la République, le président du RHDP, candidat à l'élection présidentielle 2020. Le signe de cette cérémonie repose sur la victoire de cette élection. Parce que Ado, c'est un grand bâtisseur. Vous avez vu comment il a transformé la Côte d'Ivoire. En 9 ans, la Côte d'Ivoire a été transformée. Et c'est un homme du développement. Donc, nous avons souhaité, c'est nous qui lui avons demandé. Parce qu'on a perdu le candidat que les Ivoiriens avaient proposé et lui-même avait appuyé. Et malheureusement, Dieu l'a pris. Mais en 2 mois, on ne peut pas trouver un autre candidat. Nous avons sollicité le président de faire un sacrifice, de regarder les Ivoiriens, toutes les régions de la Côte d'Ivoire, les 2 districts de la Côte d'Ivoire l'ont appelé. Et il nous a attendus. Nous lui disons merci. Et aujourd'hui, nous sommes venus le célébrer. Vous avez vu le stade. Le stade est à Chicom. C'est plein à craquer. Jusqu'à aux alentours du stade, hein, de la Sorbonne, jusqu'à la préfecture. Hein, il y a du monde. Il y a des écrans géants. Et c'est la fête, c'est la fête. Nous remercions le président Ouattara. Voilà, parce qu'il n'y a pas de candidat après lui. Les autres, c'est du folklore, comme j'ai toujours dit. Et ils demandent à ce que les Ivoiriens descendent dans la rue pour s'entretuer. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de la paix. La paix, la solidarité, l'amour des uns et des autres. Hein, pas la déchirure. Voilà. C'est moi qui vous remercie.